Encore un tour de cartes qui se retourne, ça s'appelle un tour de petit paquet, puisque j'ai juste un petit paquet de cartes. Alors vous allez bien vous dire que je sais juste faire retourner des cartes dans un jeu ou dans un petit paquet. Mais bah justement, là, c'est l'inverse. Au lieu que la carte se retourne en montrant son dos, là, la carte se retourne en montrant sa face. Et pour gagner un peu de temps, j'en ai déjà retourné une. J'ai pris les 4 10 dans un jeu et j'en ai remis une face en l'air. Pouvez-vous me dire laquelle? C'est une chance sur 4. Le cœur, le cœur. Bah écoutez, on va vérifier. Et très honnêtement, je ne pense pas que ce soit le cœur. On regarde. Non, c'est pas le cœur, c'est le pique. C'est le pique, mais pour vous faire plaisir, si vous voulez, je peux faire en sorte que ça soit le cœur. Si vous voulez que ça soit le cœur, c'est le cœur. Un autre aurait pu me dire le trèfle. Bah écoutez, j'aurais dit pourquoi pas le trèfle, hein? Pourquoi pas le trèfle? Le carreau, bah le carreau, je peux pas parce que le carreau, c'est justement celle qui est ici au-dessus, donc je peux pas. Alors, ce tour-là est un tour totalement automatique. Je comprends pas même moi comment il marche parce que regardez au-dessus, il y a marqué, avez-vous vu le carte changer de couleur? Alors, quand je regarde mes cartes, j'ai toujours deux rouges, deux noirs, il n'y a rien qui a changé de couleur. Enfin, à moins qu'on ne parle des dos, et là, si c'est les dos, je vois pas du tout comment ça marche.